Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va attaquer la construction d'un chariot pour mon poste à souder JIS SmartMix 162. Je fais un chariot parce que les roulettes d'origine et le support de la bouteille de gaz sont hautement insuffisants, de la même manière que la façon dont elle est tenue ne permet pas vraiment de le déplacer si le sol n'est pas parfaitement régulier. Et si on a le malheur de la bousculer, ça peut faire basculer tout le poste. C'est construit à base d'acier, différentes tailles de tubes en fonction de ce que j'avais en stock, rien de très original. Je démonte les roues arrière du poste qui ne servent qu'à tenir la bouteille. Les roues avant, je les laisse en place, c'est pas grave, elles s'emboîtent dans le chariot que je vais construire. Et pour les roulettes du chariot, j'ai acheté deux roues multidirectionnelles de 10 cm qui sont les plus grandes que j'ai trouvées dans une grande surface de bricolage. Et pour les roues arrière ainsi que pour quelques morceaux du chariot, je vais utiliser un diable low cost qui m'a coûté moins de 30 euros, que j'ai aussi acheté en grande surface de bricolage, et duquel je vais récupérer les grosses roues ainsi que leur axe et le support du diable pour servir de support à la bouteille de gaz. Et j'utiliserai peut-être les poignées d'autres morceaux de tube au fur et à mesure. Comme vous pourrez le voir, j'ai changé d'avis en cours de route, j'aurais dû faire un plan avant, et j'ai décidé de réduire la largeur de l'étagère où va le MIG, pour ne pas laisser de place autour de celui-ci, mais plutôt avoir un espace à l'intérieur de la surface du chariot où je pouvais enrouler la torche et la masse afin de ne pas risquer qu'il dépasse ou soit accroché et de limiter l'empreinte au sol de l'ensemble. Vous verrez aussi peut-être ultérieurement, suite à l'utilisation, que j'inverserai les roues avant et arrière, à savoir les grosses et les petites, car une fois sur surface irrégulière, les petites roues à l'avant bloquent facilement sur des cailloux ou des aspérités, alors que les grosses passent plus facilement. Je pense qu'en les mettant à l'avant, donc à l'opposé de la bouteille, le poste sera plus facile à manipuler sur les terrains non lisses. Je vous laisse maintenant avec la vidéo en accéléré du découpage des tubes et ensuite de l'assemblage et de la soudure de ceux-ci. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des remarques si vous avez une meilleure idée ou si vous voyez un moyen d'améliorer le chariot.